Voilà, cette partie de vidéo, on va vous parler un peu des listes. Les listes, par exemple, là, j'ai créé une liste. Et la liste, c'est ce qui est mal pour ma liste. Bon, en fait, cette vidéo que je suis en train de vous faire à l'instant, je suis revenu sur la liste. Pour créer la liste, il faut faire des cochers. Après l'intérêt des cochers, vous passez directement les paramètres. Ok? Quand vous mettez cocher paramètres, cocher par exemple là, cocher 2, virgule, cocher 3. Donc là, c'est comme si notre liste se déclare et s'initialise directement par défaut comme une liste de strings. Ok? Ou sinon, si vous voulez déclarer les numériques, c'est directement les valeurs que vous allez mettre. Et voilà, si on essaie d'afficher notre liste, on print ma liste, et puis on affiche, vous allez voir qu'en bas, on va nous afficher, voilà, j'exécute, on affiche 1, 2, 3, 6, 6, voilà. Donc là, c'est très simple. Et si vous continuez, vous allez voir qu'il y a d'autres choses qu'on peut ajouter en fonction des listes, par exemple la longueur. Donc la longueur, c'est le nombre de caractères qu'on a enregistré, le nombre de valeurs qu'on a enregistré dans notre liste. Par exemple, dans notre cas là, c'est 4, vous voyez. Donc c'est comme ça qu'on peut essayer de travailler avec les listes. Voilà, vous pouvez déclarer les variables et voilà les types de contenu de la liste. Là, par exemple, je déclare int. Voilà, vous voyez ce qui a l'intérêt, ce ne sont pas les int. Donc, pour mettre les int, là, il fallait mettre 1, virgule 2, virgule. On peut ajouter ce qu'on veut, ce qui est comme nombre assez. Voilà, donc suivez la vidéo jusqu'au bout. Ok.
vidéo, vous avez suivi avec moi comment utiliser les listes. C'est très simple. Il y a plusieurs choses que vous pouvez utiliser du genre. Il y a les listes, les énumérations, il y a les maps, il y a aussi les sets qui se composent du genre liste, mais on va essayer de distinguer tout ça. À bientôt.